Secret Story 11, le mariage de Laura et Alain. Alain dit non. Une demande en fiançailles acceptée finit généralement en mariage. Sauf dans Secret Story. Ce soir, Alain et Laura ont démontré une nouvelle fois leur talent de grands joueurs. Alors que les deux amoureux se tenaient ensemble devant l'hôtel, lorsque la voix a demandé à Alain s'il voulait se marier, celui-ci n'a pas hésité à rétorquer qu'il ne le voulait pas point et que tout cela n'était qu'une mission. La réaction de la sulfureuse Laura ne s'est pas fait attendre, la belle lui a jeté son bouquet de fleurs au visage avant de s'écrier « Notre amour il vaut 5000 balles à tes yeux ? Je me tape la honte devant toute la France pour 5000 balles ?» Les talents d'actrice de Laura ont encore frappé car, bien entendu, celle-ci faisait partie de la supercherie. Pour rappel, il y a deux semaines Alain a dû faire croire à sa bien-aimée Laura qu'il voulait se marier. Une mission qu'il a acceptée avec plaisir, mais ce qu'il ignorait, c'est que Laura avait pour mission de lui dire oui. Le beau gosse pensait se jouer de Laura, mais c'est finalement elle qui s'est moquée de lui. Les habitants ne savaient bien entendu rien de cette incroyable supercherie, et la voix a donc décidé d'en faire son affaire en leur demandant faire croire à leur colocataire qu'ils voulaient se marier le plus vite possible au sein de la maison des secrets. Quelques minutes avant l'incroyable cérémonie, les deux tourtereaux ont appris que celle-ci allait faussement tourner au désastre. Et ont joué le jeu comme jamais.